Bonjour et bienvenue à The Highway Vagabond. Je m'appelle Alison Roussel et on se retrouve encore une fois cette semaine dans ma voiture toujours. Et vous vous rappelez, les dernières semaines, eh bien, j'étais un peu en transition entre la maison, Ottawa. Eh bien, présentement, je vis, oui, dans ma voiture. Et je pense qu'il me manque un peu d'organisation. Là, je travaille là-dessus, du linge un peu partout, des choses un peu partout. Mais officiellement, depuis lundi, ça fait 3 jours que je dors dans ma voiture. Donc, on a dormi une fois dans un rang, 2 fois dans le parking de Walmart, moi et ma belle Rocky. Et cette semaine, eh bien, où je suis à l'île du Prince-Édouard et j'ai trouvé un emploi! Et oui, je suis vraiment contente. J'étais arrivée lundi et mardi, j'avais déjà une job. Donc, ça a été super vite et je m'attendais vraiment pas à ça. Je pense vraiment que c'est le timing qui a marché cette année, puisque l'année passée, je me rappelle que quand j'étais arrivée à Banff, j'étais un peu en retard. J'étais arrivée le 26 mai dans les Rocheuses et ici, j'étais arrivée aux alentours du 14. Alors, ça a super bien marché puisque la saison touristique commence le 19 environ, à peu près partout au Canada. Alors, j'étais vraiment contente et je travaillerais pas dans n'importe quel domaine. J'ai trouvé un emploi en tant que barmaid et là, je suis vraiment contente puisqu'à chaque année, j'ai un but. L'année passée, je voulais travailler dans une auberge de jeunesse, absolument, j'avais aucune expérience. Et cette année, je voulais travailler en tant que serveuse ou barmaid, j'avais aucune expérience non plus, mais je me suis donné ça comme but, donc tous les CV que j'ai donnés, eh bien, c'était juste dans des restaurants ou des bars, et ça a marché. Écoutez, le soir même, je reçois un appel et j'étais... je pensais jamais que ça allait arriver. Moi, je pensais poireter ici pendant 2 semaines sans avoir d'emploi, mais ça a été super bien. J'ai comme 3-4 trainings à venir, mais ça commence. L'île du Prince-Édouard, eh bien, c'est bien parti pour moi et je suis assez contente. Et la première chose que j'ai vue quand je suis arrivée, eh bien, c'était le pont de la Confédération. Wow! Et moi, dans ma tête, je suis comme « Oh, on va prendre des photos, c'est tellement beau! » En plus, j'ai mon nouveau trépied. Fait que là, je sors dehors. Il vente. À l'île du Prince-Édouard, il vente. Et j'avais pas pensé à ça. Bien sûr, c'est sur le bord de la mer. Puis, il y a pas vraiment de montagne, mais je pensais pas qu'il ventait autant. Il fait super beau dehors. Dans ma voiture, on crève. Je suis en train de mourir à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il vente tellement... C'est fou. Fait que là, je prenais des photos devant le pont de la Confédération. J'avais tellement froid que mes poings sont serrés comme ça. Les photos sont vraiment pas belles. Donc ça, c'était lundi, quand j'ai dormi dans un rang. Le mardi, je suis comme, OK, je vais aller porter des CV. Et je pensais que... Il y a un char qui fait bip bip. On va attendre. Bon, ben, il avait choisi son moment, lui, pour faire des bip bip. Fait que, finalement, c'est ça, mardi, je voulais aller porter des CV. Puis là, tant qu'à être à Charlottetown, j'étais comme, il y a 2 villes principales à l'île du Prince-Édouard. Il y a Charlottetown, puis il y a Summerside. J'étais comme, ah, je vais aller porter des CV dans les 2 villes. Et là, ville, tu sais, je le mets gros parce que c'est la capitale, Charlottetown, mais c'est à peu près gros comme Rimouski, hein. Puis c'est sur le bord de la mer, par exemple, c'est super beau. Donc, j'allais porter des CV à Charlottetown. Après, j'étais allée à Cavendish, où, qui est le petit village dans la maison Pignon Vert. Je me suis dit, c'est full touristique. Je vais aller porter des CV là-bas. Puis là, j'étais comme, ah, oh, ça doit être tellement loin. Parce que, tu sais, quand tu regardes la carte de l'île du Prince-Édouard, ben ça a l'air plus grand que celle-là. Fait que là, je mets Cavendish, 38 minutes. OK. Après, je mets Summerside, 54 minutes. Puis là, je fais, ah, OK, ben c'est pas loin. Fait que là, j'ai fait les 3 villes. Puis en une journée, j'ai fait le tour de l'île du Prince-Édouard. J'ai donné des CV, j'ai trouvé un emploi. Et je suis vraiment contente de la partie emploi parce que là, je commence à être un peu tannée de faire des vidéos sur mon cellulaire pour vous. Je veux améliorer la qualité, je veux améliorer le son, je veux vraiment que ça devienne un peu plus professionnel. Et comme... La voiture, je commence à avoir de la misère aussi. Là. Ça m'a pris 1 heure de trouver la bonne position pour faire la vidéo et même à ça, je suis vraiment pas confortable présentement. Donc, l'emploi va me permettre de nouvelles caméras. Et aussi, d'autres choses à propos de l'île du Prince-Édouard, c'est que
Anne à la maison Pignon Vert est vraiment présente partout. Il y a des magasins d'Anne à la maison Pignon Vert, il y a des livres, il y a des aimants, il y a même une liqueur d'Anne à la maison Pignon Vert. Et je sais pas si vous êtes fan comme moi de cette émission, mais dans l'épisode 2, vous vous rappelez, à Soul un peu, son amie Diana avec la liqueur de framboise, eh bien, il y a cette fameuse liqueur d'Anne à la maison Pignon Vert dans les magasins ici. Et là, j'étais vraiment contente. Je l'ai pas encore acheté présentement, mais ça s'en vient. Tranquillement, pas vite. Il manque encore un peu d'adaptation ici. Là, je suis en train de trouver mes repères. Là, il faut que je plie mon linge. Faut que... Et ça, là, c'est parce que j'ai un toolie sur le dessus de ma voiture et il y a les cordes à l'intérieur. Mais c'est vraiment fatigant parce que là, je fais tout le temps ça. Puis quand il pleut, eh bien, il pleut à l'intérieur aussi. Mais au moins, ça me sert de corde à linge. Oups. Ça me sort de corde à linge, fait que là, ça fait sécher le linge. Et là, la mission ce soir, puisque les derniers jours, c'était lingette pour bébé et des barbouillettes dans les toilettes. Eh bien, ce soir, mission, c'est la douche. Et la douche sera sûrement dans une toilette... Donc, la douche, on va essayer de trouver une auberge de jeunesse ou une piscine publique. Donc, je vous tiens au courant de ça. Mais c'est mon expérience jusqu'à maintenant. Sérieusement, je suis vraiment contente d'être ici présentement. C'est une super belle expérience et je m'attendais pas à grand-chose quand je suis arrivée. Je suis venue ici à cause d'une amie qui m'a conseillé de venir, mais j'avais fait aucune recherche. Moi, j'avais toujours rêvé de venir à cause d'Anne à la maison Pignon Vert, justement, puisque je suis une grande fan et je vais pas arrêter d'en parler, désolée. Mais non, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait vraiment. J'étais comme, ah, l'île du Prince-Édouard, j'étais comme, ah, ça va être une belle place, un bon moyen de faire de l'argent en général, mais non, c'est vraiment un bel endroit. Les plages sont super belles et les gens sont super gentils aussi. Donc, je pense que je vais m'intégrer très bien. Je vais un peu trouver un moyen de m'organiser dans ma voiture. Et ça, c'est pas la première fois que je vis dans ma voiture, mais il manque toujours d'organisation au début. Donc là, on travaille là-dessus. Et aussi, qu'est-ce que je vais faire là présentement? C'est trouver une douche pour ce soir et ça va super bien aller. Écoutez, on se reparle la semaine prochaine et bon voyage vous aussi!